Merci de vos attentions. Merci de vos présences, de vos abonnements, de votre encouragement. Je porte à votre connaissance d'un vœu studio. On va entamer deux points importants de la constitution de la société. Première, ça, c'est les versements effectués en retard. Et d'une première chose, les statuts prévoient que pour tout versement effectué en retard, l'actionnaire supportera des intérêts de retard pendant le nombre de jours séparant la date d'exigibilité de la date de la libération effective. Ces intérêts de retard sont enregistrés au crédit de compte. Les intérêts et produits assimilés de code sur 7381. Maintenant, on va voir le dernier cas, c'est les actionnaires défaillants. Il arrive que des actionnaires refusent de payer la fraction appelée par la société. Dans ce cas, les statuts contiennent généralement une clause d'exécution forcée autorisant la société à vendre les titres de l'actionnaire qui a failli à son engagement antérieur. Son comptabilisation est le suivant. Constatation de la défaillance, on va débiter le compte actionnaire défaillant, on va créditer l'actionnaire capital souscrit à plein non versé pour le montant de l'actionnaire défaillant doit à la société le montant de l'action appelée. Deuxième écriture, c'est l'exécution en bourse, on va débiter la banque, on va créditer actionnaire défaillant. Le prix de vente est fonction de la partie déjà libérée et de la fraction appelée. On va à la troisième écriture, c'est l'imputation des intérêts de retard et des frais. On va débiter le compte actionnaire défaillant de montant des intérêts plus les frais constants et frais de communication. Pour les intérêts de retard, on va l'imputer au crédit d'un compte intérêts et produits assimilés. Les intérêts de retard se calculent sur la durée allant du dernier délai fixé pour le paiement jusqu'à la date d'exécution à la bourse. Pour les frais, généralement, les frais d'envoi de lettres recommandées, de téléphone, de téléx, qu'on va créditer le compte frais postaux et frais de télécommunication. Dernière écriture, c'est les règlements de réplica. On va débiter le compte actionnaire défaillant et on va créditer la banque. Pour calculer ce réplica, il faut faire la soustraction de prix de vente moins actionnaire défaillant qui compose des intérêts de produits et produits assimilés et les frais postaux, ça veut dire ça et ça. Merci de vos attentions. Jusqu'à la prochaine vidéo, qu'on va traiter des cas pratiques concernant la constitution de la société. Merci de vos attentions. Jusqu'à la prochaine vidéo, n'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos.